Bonjour à tous ou konnichiwa pour nos nombreux amis japonais qui nous regardent et bienvenue pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Commençons avec le sommaire. Vous voulez des sorties, plein de sorties, en pagaille? Ça tombe bien, Julien va tout vous expliquer. Thomas a lu pour nous Captain America, la légende vivante, étant donné qu'on s'approche quand même à grands pas de la sortie du film. Et enfin, moi, je vais vous faire mon tout sur l'un des plus grands super-vilains jamais créés, le Joker, avec pas mal de conseils de lecture. Mais tout de suite, retrouvons Julien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous lisez plein de jolis comics. Je vous annonce du changement dans cette rubrique. À partir de maintenant, nous avons décidé de mettre de côté la partie actualité et de lancer une nouvelle rubrique à la place. Je vous en reparle juste après. Pour l'heure, l'émission est donc consacrée à 100% aux sorties comics de mars. Et ça tombe bien, parce que, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un mois de malade mental. Et ça démarre dès le 4 mars avec deux gros events Marvel, le premier étant Infinity. Le dernier gros event en date de Marvel débarque en France dans le magazine du même nom. C'est le scénariste Jonathan Hickman qui écrit cette histoire en 6 numéros, découlant directement de ses deux autres séries, Avengers et New Avengers. Pour contrer une nouvelle menace intergalactique, les Avengers doivent se rendre dans l'espace et combattre aux côtés de nombreux autres peuples, laissant ainsi la Terre sans défense, et c'est justement ce moment que choisit le tyran Thanos pour attaquer notre belle planète bleue. Un event très réussi, très épique, sûrement le meilleur depuis Civil War, sublimé par les trois artistes Jim Chung, Jerome Opeña et Dustin Weaver. Il y aura 6 numéros en tout, et le premier est proposé en 4 couvertures différentes dans une collector. Je vous recommande quand même d'avoir lu les séries Avengers et New Avengers avant, au moins les derniers numéros. Vous les retrouvez dans le magazine Avengers. L'autre événement du mois chez Marvel, c'est la première moitié du nouveau crossover X-Men, la bataille de l'atome. Cette histoire s'étale sur 10 chapitres entre les séries X-Men, Uncanny X-Men, All New X-Men et Wolverine and the X-Men. Et Panini Comics a eu la très bonne idée de tout publier en 2 fois, dans le même magazine, à savoir X-Men. Après les X-Men originaux qui débarquent du passé il y a quelques mois, c'est au tour de ceux du futur de venir faire un tour dans le présent. 3 générations de mutants et encore plus d'équipes différentes confrontées les unes aux autres dans un but commun, sauver le futur. Ou pas. Une histoire assez folle et très divertissante, orchestrée par Brian Michael Bendis, Jason Aaron et Brian Wood. À ne pas manquer si vous suivez les X-Men. Le 5 mars, Delco vous propose une histoire encore inédite des frères Luna. Après Girls et Ultra, ils reviennent avec The Sword, l'histoire de Dara, une adolescente paraplégique qui découvre une épée magique et va l'utiliser pour se venger des gens qui ont assassiné sa famille. Le style de Jonathan et Joshua est bien reconnaissable dans cette série qui est aussi entre fantastique et réel et qui se lit avec grand plaisir. La réédition d'un grand classique de Batman vous attend le 7 mars, à savoir Killing Joke, mais ça, Jeff vous en parle dans le tout sûr, donc je passe. Hop là. Le 12 mars, assistez à la mort de Captain America. La réédition du run d'Ed Brubaker continue avec ce 3e album de luxe qui revient sur la mort de Steve Rogers à la suite de Civil War et la passation du costume de Captain America à Bucky. L'une des meilleures histoires sur l'univers de Cap et une saga incontournable, lisez-la. Le 12 mars, c'est aussi, peut-être, le moment de vous lancer dans l'univers cosmique de Marvel puisque Panini réédite l'excellent War of Kings. Le duo britannique Dan Abnett et Andy Lanning a signé plusieurs sagas cosmiques légendaires et celle-ci en fait partie. Elle présente l'énorme guerre entre les Inhumains de Black Bolt et l'Empire Shi'ar de Vulcan. Vous retrouverez aussi les numéros consacrés au personnage de Darkhawk. Le 12 mars, toujours, sortie du 3e tome de la série Conan le Barbare de Brian Wood et 2e tome de la série de Valiant Harbinger. Le 14 mars, la série Batman Incorporated débarque dans les pages de Grant Morrison présente Batman avec son tome 7. Vous pourrez aussi découvrir la suite de la série Nightwing avec son tome 3 et Dick Grayson, le dernier homme avec le 4e tome. On passe au 21 mars avec enfin la sortie du très demandé et très attendu Batman Cataclysme. Il s'agit d'un crossover entre toutes les séries Batman lors de l'année 1998. Un terrible tremblement de terre touche la ville de Gotham City et en détruit une bonne partie, créant la panique et le chaos. Batman et ses alliés tentent de limiter les dégâts, mais deviennent témoins impuissants de la descente aux enfers de la ville. Une saga importante dans l'histoire de Batman, qui est temps de redécouvrir en France. Et d'ailleurs, ce cataclysme n'est que le début, puisqu'il débouchera ensuite sur No Man's Land, une autre histoire marquante où Gotham sera séparé du reste du monde, qui ne tardera pas elle aussi à sortir en France. À recommander à tous les lecteurs assidus de Batman, et aux autres aussi, ne serait-ce que pour le côté historique de la saga. Nouvelle série Vertigo avec Northlanders de Brian Wood. L'auteur de DMZ s'attaque désormais aux légendes nordiques à travers de petites sagas rapportant les exploits de héros nordiques. Une série de qualité qui plaira aux amateurs du genre et pourra séduire les autres. Le 21, c'est aussi le jour de la sortie de l'anthologie dédiée au Joker. Découvrez-y toutes les histoires fondatrices du personnage de 1940 à aujourd'hui.
Sans oublier le 26 mars, les premières sorties aux librairies des séries Marvel Now, déjà parues en kiosque. Vous en retrouverez 4, on vous a déjà parlé par le passé, Uncanny Avengers, Superior Spider-Man, All New X-Men et Captain America. Et voilà pour toutes ces belles sorties de mars, vous avez quoi lire plein de choses et cramer le portefeuille, comme d'habitude. Alors du coup, pour la prochaine émission, pas d'actu, pas de sortie, je vais tenter de répondre à vos questions. Donc voilà, nouvelle rubrique, vous pouvez désormais envoyer vos questions, réactions, tout ce que vous voulez, nous on fera le tri, à cette adresse, qui s'affiche juste là, et on essaiera de voir ce que ça va donner, ça va être chouette. Donc rendez-vous pour la prochaine émission, et comme le dirait Captain America, on compte sur vous. Coluche. Ça c'était Coluche, ouais. Les Restos du cœur, machin, c'est Coluche ça. Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un comics Captain America car la sortie du film approche à grands pas. Il s'agit de Captain America la légende vivante qui est un excellent album pour commencer la lecture de Captain America. La légende vivante est un excellent point d'entrée dans l'univers de Captain America, même pour les néophytes. C'est une histoire complète. Il y a des suites qui existent qui sont également très bien, mais on peut lire cet album et en rester là. Le film est fortement inspiré d'ailleurs de cette histoire. Ed Brubaker, le scénariste, nous livre vraiment un album plein d'aventures, plein d'actions, avec des histoires de complots. Enfin, quelque chose qui se lit vraiment très bien et qui est vraiment très addictif. Cette histoire va nous emmener aux quatre coins de la Terre, notamment à Paris. Et on va voir Captain America qui va devoir faire front à plusieurs menaces, dont notamment une qui revient de son passé. La légende vivante est éditée chez Panini Comics dans la collection Deluxe. Ça coûte à peu près 28 euros. C'est vraiment une très bonne histoire. Il y a une suite qui existe qui s'appelle L'hiver meurtrier, qui est également très bien, que je recommande également. Bon, normalement, je commence les tout sûrs par une petite introduction générale. Mais bon, vu que là, c'est le Joker, je pense que ce n'est pas vraiment indispensable. Rappelez-vous qu'il a été créé dans Batman 1 en 1940, que c'est un gros dingue et ça ira très bien. Passons donc immédiatement au conseil de lecture si vous le voulez bien. Le tout sera édité chez Urban Comics. Le premier, The Killing Joke, c'est sans doute le meilleur comic sur le Joker à avoir été fait à ce jour. Ce graphic novel d'Alan Moore est tout simplement une référence, le comics que vous devez avoir si vous êtes fan du personnage. Il raconte les origines du personnage, mais en plaçant le Joker dans une position un peu plus dramatique que la moyenne, et ça, ça change beaucoup beaucoup de choses. On le voit en comic raté, manipulé, complètement à la masse, et aussi manquant cruellement de chance. C'est le genre de comic qui vous prend aux tripes. C'est à avoir, à lire, à relire, à connaître par cœur, à en faire une dissertation, bref, tout ce que vous voulez, c'est du lourd. Alors, tu regardes la fin de l'émission, et après, hop, dans la voiture, tu vas l'échanger contre de l'argent. Suivant, un deuil dans la famille, celui-là n'est pas exceptionnel par rapport au Joker, mais reste un incontournable de l'univers du Chevalier Noir. Pour ceux qui l'ignorent, c'est le fameux comics qui met en scène la mort de Jason Todd, soit le deuxième Robin justement. Vous suivrez cette fois le Joker aux quatre coins du monde à travers une histoire assez prenante et des dessins qui n'ont pas trop vieilli. Fan du Chevalier Noir, vous devez l'avoir. Pour les autres, vous le feuilletez et si les dessins vous inspirent, bah prenez-le. C'est du tout bon. Le troisième à avoir serait le tome 3 de Batman, Le Deuil de la Famille, dont le nom est un clin d'œil au comics que je viens de terminer. Cet arc de Snyder et Greg Capullo fait suite à l'arc de la Cour des Hiboux, qui avait inauguré le New 52 Batman et qui met en scène le Joker pour la première fois après un an d'absence, ce qui était déjà pas mal quand même. En fait, le clown était apparu dans le premier numéro de Detective Comics, dans lequel le Dollmaker, un nouveau vilain, lui avait arraché le visage. Donc en fait, il l'avait découpé comme ça, il lui avait enlevé, c'était cool. Pardon. Ce tome 3 de Batman raconte donc son retour et le Joker est plutôt inspiré. Un arc qui a peut-être moins d'envergure que celui de la Cour des Hiboux, mais qui reste très efficace et qui met en avant pas mal de retournements de situation.
C'est également à travers ce comics que vous découvrirez le nouveau design du personnage, puisque son visage ayant été arraché, il l'a remis en place avec des pinces à linge comme ça, c'était trop excellent, avec des pinces à linge. Des pinces à linge, quoi. Pour les fans du film de Dark Knight, vous avez également le graphic novel Joker, qui a l'avantage de mettre en avant un Joker assez proche de celui du film. Le côté terroriste des temps modernes est absent, mais par contre, le Joker reste aussi crade et glauque que celui de Nolan. Les dessins sont juste magnifiques, vraiment magnifiques, de toute beauté. Le scénario met un point de vue plutôt intéressant sur le personnage. Rien de nouveau dans tout cela, ce n'est pas le meilleur comics au monde, mais bon, il reste très sympathique à lire. Enfin, vous avez aussi l'Empereur Joker qui porte plutôt bien son nom. On découvre ici un Joker qui a reçu le pouvoir de remodeler la réalité selon son bon vouloir. Résultat simple, le monde vit désormais dans le chaos. Superman devient le pire des criminels et à l'inverse, Bizarro le seul héros capable de l'arrêter. Sur le papier, c'est quand même pas mal. Après, il y a quelques détails un peu gênants, notamment le style un peu enfantin et le scénario qui manque d'envergure, mais bon, ça reste une bonne petite histoire. Voilà, c'est terminé pour notre tour sur le Joker et pour l'émission. J'espère que ça vous a plu et que vous avez dévalisé vos comic shops préférés. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. On est drôle. Des fois. Allez, à ciao, bonsoir.